Madame la secrétaire exécutive, Excellences, Mesdames et Messieurs, je me réjouis que cette 69e session de la Commission, et tout particulièrement ce segment de haut niveau, puisse avoir lieu malgré les circonstances exceptionnelles que nous vivons. En effet, le dialogue qui en découle est essentiel pour l'intégration et la coopération entre les États membres de la région, ainsi qu'une opportunité de réviser ensemble les progrès des activités de la Commission. L'augmentation continue et sans précédent de la production et de la consommation mondiale de ces dernières décennies est responsable de plus de 90% des problèmes environnementaux, tels que la perte en biodiversité, la pollution de l'air et de l'eau, et en somme, l'utilisation non durable de nos ressources naturelles. L'Andorre est un petit pays non industrialisé qui ne participe pas à la production de biens, mais qui en est consommatrice. Et nous sommes conscients de l'importance de changer notre mode de vie et notre modèle économique pour avancer dans le sens de l'économie circulaire. Pour cela, nous sommes actuellement en train de rédiger la loi sur l'économie circulaire que le Parlement devrait voter à l'avant la fin de cette année. Ce texte a été élaboré en tenant compte de l'opinion de la société à travers d'enquêtes et d'un processus de participation citoyenne, ainsi qu'avec de nombreux entretiens auprès des représentants des secteurs les plus concernés par la loi. En effet, la loi crée le cadre et les structures nécessaires pour la transition vers l'économie circulaire en Andorre, en promouvant une consommation plus durable des biens et des services, avec l'interdiction par exemple de la mise sur le marché de nombreux produits à usage unique, principalement ceux en plastique, et des actions à différents niveaux pour prévenir le gaspillage alimentaire. Des mesures concrètes sont établies pour les principaux secteurs économiques du pays. Le secteur de la construction devra s'efforcer de réutiliser les déchets qu'il génère pour les transformer en matières premières. Les secteurs du commerce et du tourisme doivent s'engager contre le gaspillage alimentaire et contre les excès d'emballage. L'ensemble de ces actions s'accompagnera d'aides financières, de campagnes d'information et de sensibilisation de la société et d'une implication forte des administrations qui doivent œuvrer comme un important levier de l'économie nationale. L'Andorre s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050. La transition vers la logique circulaire est un des instruments qui permettra d'y arriver, ainsi que l'objectif d'augmenter la production nationale d'électricité avec au moins 80% d'énergie renouvelable. En janvier 2020, le Parlement andorran a voté par unanimité l'accord sur la reconnaissance de la crise climatique et la déclaration d'état d'urgence climatique et écologique. Un accord qui marque 28 engagements pour la lutte contre le changement climatique, mais aussi en faveur de l'économie circulaire. Je saisis cette occasion pour réitérer le soutien de l'Andorre au multilatéralisme. Mon pays a toujours défendu l'importance de la mise en œuvre de projets communs, dont la promotion de l'économie circulaire et l'utilisation durable des ressources naturelles. L'action multilatérale et collective de la communauté internationale est en effet indispensable pour garantir la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030. Je vous remercie de votre attention.